Et voilà, bon, la partie du coup. Et j'ai vu que si en jetant un petit coup d'œil, j'ai vu que j'avais un petit trésor à trouver dans le coin. C'est dans la ville centrale, donc je suppose que c'est ici. On va se faire une petite chasse au trésor pour l'instant. En mode tranquille. Bah. Peut-être qu'on en saura plus une fois qu'on sera à proximité. Retour dans les bas-fonds de Tirade, je sais plus trop quoi. Le bidonville. C'est là, il y a la carte de trésor. Ah non, celui qui va me donner les indices, je me souviens comment ça marche. Enfin. Triade regorge d'artefacts anciens abandonnés par les Ossanes qui y habitaient. Fouillez la cité, voyez ce que vous pouvez trouver. Désolé, je bois un petit café en même temps. Astuce 1. Examinez la prairie à proximité de la statue Ossune pour trouver des trésors enfouis. Astuce 2. Les arbres orins des jardins d'Arboria pourrait faire remonter des reliques à la surface. Et la dernière, fouiller parmi les décombres de labyrinthe de l'alchimiste pour trouver des artefacts oubliés. Donc voilà, trois lieux distincts à aller fouiller. Donc maintenant, c'est pour ça que là, je peux avoir mon espèce de chasse, mon GPS à trésor, quoi. Enfin, détecteur de trésor plutôt. Il faut aller dans la zone, et après... Faut voir selon lui, c'est quoi ça? Ok, c'est pour activer les tremplins, d'accord. En dessous. Maintenant, on va regarder le détecteur. Celui-ci va nous indiquer quand nous serons à proximité. Examinez la prairie et à proximité de la statue Ossune pour trouver le trésor enfoui. On est au premier ou deuxième ou troisième là, je crois pas. C'est les décombres là. Parmi les décombres du truc alchimiste. C'est sûrement ici. Pas être ici hein. Ah. C'était ça. Ah
Alors, voilà, on a commencé par le dernier, mais tant pis, c'est pareil. Si, si, puis la statue, c'est bien ça. Examinez les... Ok, c'est dans dans la prairie à côté de la statue. Même principe, on fouille. On va trouver un truc qui attire notre attention. Et bingo. Voilà. C'est quoi? Je sais pas, mais en tout cas. On se rapproche de... De la zone à trésor. Elle est précisément ici. Bon, il n'y avait rien en l'occurrence pour attirer notre attention, mais il y avait déjà le détecteur de trésor qui est là pour nous aider. Plus qu'à en trouver. Les arborins. Ok, c'est dans un parc ou une forêt. Retour dans les bidonvilles. Je sais pas si c'est le fait qu'ils aient genre picolé ou un truc comme ça. Ou qu'il est malade. Mais on voit que ici, et ça c'est. Il y a même des combats de rue là que j'avais vu l'autre fois. C'est un peu le ghetto du coin, entre guillemets. Ah ben non, mais c'est carrément une prison en fait. Ouais, camp de concentration. Les exilés sont pas si cool, hein. Ah ouais. C'est ironique, mais ça se voit parce que même le juge qu'on rencontre au début pense qu'à tuer, exécuter. Donc c'est pas vraiment un juge, c'est plus ça. Un bourreau, quoi. S'il devrait vraiment avoir un nom. Et voilà, c'est ici. Donc... Encore un truc enfoui. Ça m'a bien fait. J'aime le style, ça va, ça. Ça change. Bon, par contre, le trésor, on n'est pas avancé. T'as pas une idée, toi? Gorank. Eh ouais, bon, on a bien fait de passer par ce truc. On se rapproche de ce qu'on cherche. Ici. J'ai oublié comment j'ai configuré mes touches. On a gagné un niveau. Kit Fab. Un festival. Ah voilà donc ce que j'ai. Ah bah voilà ma maison, je l'ai déjà. Mais en kit fab. Et vu que c'est pas une icône, enfin on voit pas une maison, je crois que c'est genre une boîte pareille et tout. Enfin c'est un truc qui ça fait pas penser spécialement à une maison. En fait si je l'ai mais en préfabriqué. Ça y est, ça me revient. Elle est dans mon coffre. En fait fallait que je la pose. Quand ils m'ont fait venir dans mon terrain, c'était ça que j'avais à faire. Ouais c'est super joli. Je sais pas, ça fait un peu tout mélangé quoi, pastel au niveau de la couleur là, ça fait un petit peu penser à l'art japonais quoi. Bon, on ressent aussi quand même la patte World of Warcraft, on va dire, sur certains trucs. Dans le sens qu'on
Certains ont bossé dessus, enfin je sais pas, ça se ressent un peu quand même. Parce que mais derrière, World of Warcraft c'est aussi un petit peu dessin animé, hein, entre guillemets quoi, mais un peu moins, largement moins même. Et c'est pas spécialement réaliste non plus. C'est bien beau de parler, mais qu'est-ce que je fous ici moi déjà? Chercher le trésor, c'est fait. C'est ça donc. On était pour parti pour aussi aller chercher des renseignements qu'on n'a pas réussi à choper tout à l'heure. Regardez plus les détails au cas où. Affaiblir et capturer les pilotes écarlates prêts. Ah, ok, là, maintenant je sais, il faut que je dégomme quelqu'un jusqu'à temps qu'il ait plus de vie, que j'appuie sur T ou un délire comme ça. Parce que sinon, ouais, je me disais bien, faut pas que les tuer. Qu'est-ce que t'as à nous dire toi? Tu dois aider ces pauvres niflettes. T'es gonflé les niflettes pour qu'elles retrouvent la terre ferme. Attendez. Attendez, attendez, il faut me tenir au courant. C'est quoi une niflette déjà là? C'est ça. C'est bien ça, encore une fois, avec T. On dégonfle les niflettes, c'est parti. Faut en faire 10. Il y en a un paquet, c'est super joli en plus. Je sais bien, j'en avais vu une autre là qui était partie se cacher. Pourquoi tu te caches toi? C'est pas bien. On veut t'aider. Il n'y en a pas sous l'eau des fois, non, ça va pas sous l'eau ça. Mais vu qu'ils sont gonflés, ouais, ce sera plutôt en train de flotter, oui. Donc je n'ai vu qu'il y en avait une là. On y va. Mince, sauf foiré. Lamentablement. Voilà, c'est reparti. Où es-tu parti toi? Hop. Il y en a une autre là-bas. Et voilà. Encore 5 pour l'argent. Je l'ai même pas vu elle. Reviens là, reviens là. Va pas si loin. Trop tard. Argent. Il ne manquait plus qu'une, tant pis. Donc, chasse au renseignement, capturer les pilotes écarlates, une épine dans le pied, aller voir l'argent du terrain des exilés. On va commencer par le plus proche de toute façon. Bon. Oh! Ah, mais on est super loin là, je me suis pas vu faire en fait. À traverser la ville pour le trésor.
fait, la ville, c'est carrément la map, la zone entière, là, quasiment, quoi. Tranquille au bord de l'eau, père. Bon, on est parti. Hein. On y va, on y va. On repasse par le ghetto. Du Tion, là où je sais plus comment la ville, j'ai du mal avec ce nom de ville, pourtant on est tout simple et tout petit. Fait quoi, 3-4 mots, bah regardez, combat de rue. Combat de... J'ai même pas vu que c'était des nanas qui se battaient. Une humaine contre une, je sais plus trop quoi, là, la même race que mon personnage, assez simple. Une orin. Qui sont un peu l'équivalent des elfes, hein, bien sûr, comme on a pu deviner. On revient sur nos pas, c'est pas une bonne idée, c'est par là. Voilà. Mais c'est vaste, hein. Là on passe par le laboratoire des alchimistes. Je pense qu'on est... Ouais, c'est par là. Ouais. Une mission avec eux. On verra plus tard. En tout cas, on sait qu'il y a du boulot ici et là, c'est bien. Et là. On le lock avant tout. C'était presque. Le robot là-bas qui est venu un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues. Il n'est pas encore en mauvais état. C'est bon. Voilà. On l'a... Il est devenu allié quoi. Je sais pas trop ce que j'ai fait mais... On l'a hypnotisé. Mission accomplie. Faut retourner voir le commandant. Je me suis battu comme un pied, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on a réussi. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Voilà, j'ai un malus, là j'avance pas trop vite. C'est bon. Ça va me partir. Dès que je suis aggro en fait. Voilà, c'est par là, c'est bon. Nous revoici au rapport. Bravo, t'as accueilli ces pilotes comme un fugiflore, bien mûr. La confrérie semble sombre, sombre
éclater, à lui faire cracher tout ce qu'il sait. Maintenant qu'on a ce pilote sous la main, il va falloir le soutirer un maximum de renseignements. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au camp de Mesmer Radu pour lui donner un coup de main? Il faut l'hypnotiser. Votre cible se trouve dans une mauvaise partie de Nexus, mais c'est deux mois quoi. Utiliser les illusions du radu sur le pilote. Ah ouais, d'abord faut que je prenne le truc. Comme pour les médecins tout à l'heure, la quête de soins. Donc faut que je récupère un objet ou ouais, un truc du genre. S'il n'y a pas crité en plus à côté de son icône. Ça sort ça. Je sais pas d'où ça sort, mais... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé en tout cas. C'est F4. CTRL, F4. Franchement, c'est pas très bien expliqué par quelques trucs quand même, mais ça va. Quand on insiste, on trouve. C'est, tu as craché le morceau, enfoiré. T'en veux d'autres? C'est accompli, non? À tous les coups, j'ai pas fait le bon truc, donc qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait quoi? F1? Non, j'ai fait F4. On va faire F3. Hein. On va tous te les faire. On va bien trouver ta phobie. T'aimes pas les insectes, apparemment. C'était ça. C'est bon. Maintenant, c'est avec T. Sur... Ah non, mais c'est pas sur lui, c'est ailleurs, ça. Sur une mouche. Je sais pas trop ce que je fais, je le fais. Hein. Ah, c'est pour lui ramener devant la gueule. Ok, bien. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il préfère rester en prison. Ah là! Fallait bien insister, je me disais bien qu'il y avait un petit truc que j'avais pas capté en fait. J'ai vu que c'était LR1, enfin les combinaisons, c'était LR, F1, F2, F3, F4, F5, peuvent servir tout comme T à plusieurs trucs. Faut s'y faire, mais une fois qu'on sait, c'est bon, c'est quand même plus facile que de chercher. C'est pas spécialement dit quoi. Putain, je trouve que le son est super fort d'un coup là. Hop. La balade au moulin. Ok, quelques trucs à faire, ça va. Là. Non mais c'est pas dans le même ordre qu'on va aller là-bas. Hop. Comme ça on découvre aussi une quête ici. Alors c'était justement lui la quête. Attendez, suivre l'agent, d'accord. Ah oh, c'est une autre quête ça. Oui bah c'est dans la série, je n'avais activé plusieurs tout à l'heure, donc ouais c'est bien de pas faire d'en faire 15 en même temps, sinon on s'y perd. Bon voilà, je pense qu'il faut que je termine.
Merde, il faut que j'en bute d'autres, là, ça sera pour la prochaine fois. Bon, quoique, je pense que ça va être pareil ici. On va anticiper. Finish. Non. Non, encore un peu. Eux aussi, ils font partie des défis. Non, mais c'est les mêmes. Okay. J'avais pas fait spécialement fait attention. Donc il ne s'attend là pas, mais on va finir avec ça là. Encore une. Et un alors. Et voilà. Un coffre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un pantalon? Ok. Voilà, c'est bon. Faut jeter le légionnaire. Bon, c'est fini. Ouais. J'ai une conquête à faire dans le coin là. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il m'a mobilisé l'enfoiré.
Donc il est où le trésor là? Je vois pas moi. C'est une conquête plutôt, ouais. Bon, on y est presque. Merde, on était 2 secondes. Voilà. C'est bon. C'est niveau combien? Enfin après on verra plus tard, à mon avis c'est un boss, hein. C'est clair et net. Oh! Un truc ici à faire. Récupérer une carte là au-dessus. Et voilà. C'est quoi qui a 41 mètres? Désactiver les canons anti-aériens mobiles de la Légion, bah c'est ça. Va falloir que je dégomme ou je désactive. Comment faire? F, tout simplement. Ok. Tic tu veux. Cette fois-ci, je me rappelle comment ça marche, c'est tout bête. Faut le lancer avec F et après faut appuyer quand il faut au bon moment quoi. Faut pas rester appuyé sur F, pas besoin. Au contraire, ça fait. Ça fait foirer le truc. Ben voilà. Alors là, j'aime bien quand ça se déroule comme ça. Pas d'accro. Petite galère ou deux par-ci par-là, mais c'est encore le temps de se faire au système de jeu. Avec la touche T, CTRL, F1, F2. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça commence à rentrer. Ok, un lieu hautement stratégique, il fallait défendre un village. Qui semble être une place forte de cette zone. Bon, le scénario est ce qu'il est, mais ça va, il y a pire, franchement. C'est quoi ces conneries? Il y a bien un truc ici. Ah, ah. Une instance. On doit monter quelque part. Ah bah on va sûrement faire ça après. Une petite pause. Donc je sais pas trop comment je vais me faire pour... Pour essayer de faire des épisodes sur YouTube, histoire de vous montrer un petit peu la vue, j'ai changé de zone, etc. J'essaierai de... Je vais me débrouiller. Donc comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Et sûrement tout de suite pour ceux qui sont sur Twitch.